minutes. C'est comme ça, c'est tout. Terminons, tout le monde descend. C'est la fin, voyez. Cette gare nous accueille, fin du voyage. Reprise du quotidien. La maison est vide, les assiettes en miettes, la télé allumée. Je m'apprête à sortir. Soudain, un regard. Dehors, il pleut très fort. Où est mon impair? Ma voiture est loin de la maison du port. Parapluie perdu. Où est le soleil? Les nuages s'accumulent. Fine goutte claire. Plic-ploc, au dehors, il pleut. Au sec, je reste. Le temps passe, il pleut toujours. Plus de pain ici. Je pars chez le boulanger. Une goutte, par-ci, par-là, je passe bien. Enfin, arrivé. C'est la foule à l'opéra. Ils me font un ticket. Ça y est, ça ouvre. Je ne trouve pas ma place. C'est au premier rang. La salle est pleine. Le rideau se lève sur l'artiste blanc-bleu, couvert de paillettes bleues. Micro dans la main. Haut sautille le chanteur. La lumière l'habille. Son nom est chant du fils, un sang et des grands applaudissements et bis. Tout le monde se bouscule, c'est fini, c'est la sortie. Enfin, la lumière. Seul parmi mes souvenirs, au rythme des sons, mon enfance remonte. Lentement, ce temps. Se graine et je soupire, j'attends le goûter. Non, c'est lui, c'est là. Alors attends, j'en mets une minute. 16h, c'est la gaieté. Faire des beignets. C'est maintenant le moment. La cafetière dégage le bon goût de ce super café. Servir, c'est mon truc. Tout le monde attend autour de la table. Super l'ambiance du goûter. Partages et rires. Réunissent les copains. Fin de la journée.